Bonjour tout le monde, nous sommes les élèves de 4 commerces langues. Moi, je m'appelle Beza. Je vous explique notre présentation de l'excursion à Lille. Dans la première diapo, vous voyez une photo et une carte. Ici, vous voyez Lille sur la carte. Maintenant, vous voyez une table de matière. D'abord, on vous explique information générale, transport, au programme, visite palais de Beaux-Arts, restaurant, vieux Lille, Euralille, une chanson typique de Lille et site consulté. Maintenant, je donne la parole à Quentin. Bonjour, je m'appelle Quentin. Alors, je donne l'information générale. Le nom de ville, c'est Lille. Le département, c'est Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Et la région, c'est Nord de France. La distance de l'école à Lille, c'est 108 km. Nous prenons le bus à Rama et à Saint-Nicolas. Nous prenons le train direct jusqu'à Lille. Maintenant, je vous explique le programme. Le matin, nous allons visiter le musée de Beaux-Arts. Le midi, nous allons manger au restaurant des Trois Passeurs pour manger les foie gras. Et l'après-midi, nous allons visiter Euralib et Violi. Je donne la parole à Yanto. Bonjour, je suis Yanto. Nous allons visiter le palais de Beaux-Arts de Lille. Dans le palais, il y a des peintures de peintres très connus, par exemple Van Gogh, Monet, Rubens, Trudel. Nous allons proposer un exercice. Les élèves prennent deux photos. Une photo d'une peinture que les élèves aiment et disent pourquoi. Et l'autre photo que les élèves n'aiment pas et disent pourquoi pas. Maintenant, c'est assez. À midi, nous allons au restaurant de Trois Passeurs et nous allons manger un plat typique, la flammkuchen. Je donne la parole à Yenten. La deuxième activité, nous allons visiter le vieux Lille et Euralille. Ici, nous allons aussi un exercice. Les élèves doivent comparer le vieux Lille avec le Euralille. Euralille est le centre commercial. Tu peux faire du shopping et boire une boisson. Nous écoutons une chanson typique de Lille. C'est un jour qui ressemble à dimanche. Avril a les allures de juillet. Le ciel clair du nord de la France illumine la vieille cité. Sous la déesse, les passants défilent. Un soleil d'or volé réchauffé. Sous le pied, quelques pavés tranquilles. Restent des siècles passés. À l'abri, à côté de la grande place. Sous l'arcade et les riches trumeaux, les marchands de la vieille des bourses ont fait place aux bouquinistes et danseurs de tango. Plus haut coincé dans un pan de mur, quelques vieux boulets ont la vie dure. Ils nous comptent les combats du passé, point de suspension d'éternité. Je passe la parole à Isa. Ici, vous voyez le site consulté. Merci pour votre attention.